Qui veut l'itinéraire? Madame la Présidente, aujourd'hui, je fais partie d'un certain nombre de personnalités qui ont accepté d'être camelot d'un jour pour cet extraordinaire magazine qui s'appelle L'Itinéraire. C'est un magazine qui a été créé par des gens que la vie a mis à la rue, mais qui ont décidé de rester debout, de se prendre en main, de produire un magazine, de le vendre et ainsi de participer à leur réinsertion. Madame Poirier, on va aller voir les libéraux. Je prends les dollars aussi, je prends les 20 dollars. Vous me donnez votre carte de crédit. Alors, des gens comme Florence K, Guylaine Tremblay, Marc Labrèche, Garnotte sont en ce moment un peu partout au Québec en train de vendre ces exemplaires. Moi-même, je l'ai vendu tout à l'heure à plusieurs membres de cette Assemblée et je continue à le faire pendant la journée. Et tout le monde est très content de cette initiative parce que la lutte contre l'itinérance, c'est ce qu'on décide de faire ici ensemble. Mais ça dépend aussi de la volonté de ceux qui, sur le terrain, veulent se retrousser les manches. Et donc, il faut les appuyer dans leur volonté. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais acheter une copie de votre itinéraire, certainement. Itinéraire, je le laisse en 10. Wow, merci. C'est très généreux. Merci. Monsieur? Ah, OK. Je prends l'itinéraire. Voilà. Ben oui, voilà. C'est un très bon magazine. Je le recommande à tous. Monsieur Coteau, l'itinéraire pour vous. Merci. C'est pas gratuit. C'est au moins 3 $, mais vous allez jusqu'à 500 s'il vous plaît. De la monnaie pour 10, non? Mais c'est parfait. L'itinéraire pour vous, bonne cause. Tu viens de l'itinéraire dans le magasin.